Nous allons procéder à la célébration du mariage de Madame Kim Vu, ça, Sim, avec Monsieur Olivier Il. Le 22 février 2014, à 14h30, à Champs-sur-Marne, en Seine-et-Marne, devant nous, on compare publiquement en la maison commune. Olivier Im, artisan taxi, né à Oudar Minche, au Cambodge, le 1er juin 1963, domicilié à Champs-sur-Marne, en Seine-et-Marne, 9 allée Claude Bernard. Fils de Ourde Im et de Seuk It, retraité, domicilié à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, d'une part. Et Kim Vun Sin, serveuse, née à Siem Reap, au Cambodge, le 12 mai 1984, domiciliée à Champs-sur-Marne, en Seine-et-Marne, 9 allée Claude Bernard. Fille de Pin Sin, démineur, domiciliée à Siem Reap, au Cambodge, et de Sarai Sin, restauratrice, domiciliée à Siem Reap, au Cambodge, d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 371.1 du Code civil. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Madame Kim Vun Sin, consentez-vous à prendre pour époux M. Olivier Im, ici présent? Oui. Monsieur Olivier Im, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Kim Vun Sin, ici présente? Oui. C'est là maintenant qu'ils vont être mariés. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
អូនសូត្រមចាំដល់ថ្ងៃស្រងកល្យា